La preuve souligne la nécessité d'exempter la Syrie d'armes chimiques et de ne pas adopter une résolution autorisant le recours à la force. Le président Rouhani, tous les efforts déployés doivent être consacrés à l'arrestation de la guerre en Syrie et à l'arrêt du soutien aux groupes terroristes armés. L'armée arabe syrienne rétablit la stabilité dans plusieurs régions et poursuit la traque des terroristes là où ils se trouvent. Mesdames et Messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a affirmé la nécessité d'œuvrer pour se débarrasser des armes chimiques en Syrie et n'ont pas adopté une résolution onusienne autorisant le recours à la force. Le président iranien Hassan Rouhani a affirmé que tous les pays doivent œuvrer et concrétiser leurs efforts pour mettre fin à la guerre en Syrie et au soutien des groupes terroristes armés. Dans une allocution prononcée lors d'une cérémonie à l'anniversaire de la semaine de défense, Rouhani a indiqué qu'il n'est pas possible de se débarrasser d'une guerre par le déclenchement d'une autre, affirmant que l'opposition syrienne doit se mettre à la table du dialogue avec le gouvernement syrien. Pour sa part, le président du Conseil de la Choura iranien, Ali Larijani, a réitéré la position de son pays appelant à résoudre la crise en Syrie via les voies politiques. Dans une conférence de presse tenue conjointement avec le chef du Parlement turc, Cemil Cicek, en visite actuellement en Iran, Larijani a souligné le rôle des deux parlements, turc et iranien, pour parvenir à une solution politique à la crise en Syrie et refuser le terrorisme et la sédition. Il a de même fait savoir que l'Iran appelle tous les pays à faire face au terrorisme et à lutter contre la pensée takfiriste dans la région. À Alep, deux citoyens ont été tués et plusieurs autres blessés lors d'une attaque terroriste au mortier dans les environs de la mosquée Al-Abara au centre de la ville d'Alep. L'attaque terroriste a également causé d'importants dégâts matériels dans les maisons des citoyens et les voitures stationnées près de la place. Nos forces armées ont déjoué une tentative d'attentat à la voiture piégée d'un terroriste avant qu'elle entre dans la zone industrielle d'Annabek dans la banlieue de Damas, sans faire de victimes parmi les citoyens. Dans la banlieue d'Idleb, nos forces armées ont ciblé des repères et des regroupements des bandes terroristes à Jabal al-Arba'in, tel Salman, Serge et Kfar Roma, faisant nombre de tués et blessés parmi les terroristes. À Deir ez-Zor, nos forces armées ont détruit un tunnel des groupes terroristes dans le quartier Jbeila, y compris des engins explosifs improvisés et une quantité d'armes et de munitions. Des unités de l'armée ont également statué grand nombre des terroristes retranchés dans un des immeubles résidentiels dans le quartier ainsi que dans le repère au quartier Al-Matar Al-Qadim. Le journal The Independent a confirmé l'existence d'informations suggérant que la Russie a une importante nouvelle preuve sur l'implication des bandes des terroristes en Syrie dans l'attaque chimique d'Al-Ghouta. Le journal a fait remarquer que ces missiles sont fabriqués à l'Union soviétique en 1967 et vendus par Moscou à trois pays arabes qui sont le Yémen, l'Égypte et la Libye.
Le journal a souligné que des grandes quantités d'armes de fabrication russe sont envoyées de la Libye aux gangs terroristes en Syrie par le biais de Qatar. The Independent a conclu que si les Russes ont pu réellement identifier les signes sur les débris des missiles trouvés à la Ghouta, et si cela en fait des armes qui n'ont pas été exportées en Syrie, cela prouvera dans aucun doute que les gangs terroristes en Syrie et leurs partisans à l'étranger ont utilisé cette arme pour apporter une intervention extérieure sur la Syrie. Une source militaire égyptienne a indiqué que l'aile turque de l'Organisation internationale des frères musulmans fournit le principal soutien au groupe terroriste au Sinaï. La même source a expliqué qu'il existe un plan euro-américain soutenu financièrement et logistiquement dans la péninsule du Sinaï pour la transformer en une zone de conflit contrôlée par des groupes terroristes, comme c'était le cas avec les talibans dans les montagnes de l'Afghanistan au cours des dernières années. Ces éléments armés takfiristes utilisent des appareils de communication de pointe qui peuvent recevoir des signaux à 30 km de distance, a précisé la source militaire égyptienne. Tout en soulignant les enquêtes estiment que de tels dispositifs sont envoyés secrètement par la Turquie afin de soutenir les groupes armés dans le Sinaï et les utiliser comme une carte de pression sur le gouvernement égyptien pour qu'il autorise les frères musulmans à revenir de nouveau dans la vie politique et pour la libération de leurs dirigeants détenus. En Libye, la déstabilisation accrue a mené à l'assassinat d'un non-responsable à Tripoli. Une source sécuritaire libyenne a précisé que le responsable Adnan Chibani a été assassiné au quartier Karji à Tripoli. À Darna, de même, un des ulémas de la ville a été tué à son domicile au quartier Al-Fatah. Ces deux crimes ont indigné l'opinion publique et de nombreuses personnalités qui ont condamné ces assassinats et exigé du Congrès national de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au chaos sécuritaire qui se répand dans diverses villes libyennes depuis l'intervention de l'OTAN. À la fin de ce journal, je vous rappelle ses principaux titres. Lavrov souligne la nécessité d'exempter la Syrie d'armes chimiques et de ne pas adopter une résolution autorisant le recours à la force. Le président Rouhani, tous les efforts déployés doivent être consacrés à l'arrestation de la guerre en Syrie et à l'arrêt du soutien aux groupes terroristes. L'armée arabe syrienne rétablit la stabilité dans plusieurs régions et poursuit la traque des terroristes là où ils se trouvent. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.